7 passes de moyenne depuis le début de la saison. C'est le meilleur dans cet exercice de toute la ligue. Valentin Bigot en drive, le lay-up de Bigot avec le L1. Trappe hein, du côté Manceau, clairement on voit les consignes défensives. La bonne passe de William Saras pour le dunk du Koumé Nyandi. Les Orléanais paresseront sur Valentin Bigot. Logiquement, il n'est pas habitué, Valentin Bigot. Et à l'intérieur, c'est parfaitement fait pour Naras qui claque pas le dunk, mais qui finit. Paris Lee qui s'est mis sur lui. Attention, il reste 6 secondes, là c'est compliqué. Bamfors qui prend le shoot en fin de possession. Scott Bamfors, voilà pourquoi il a manqué au Mans. Et Bigot derrière pour la réponse. La réponse du berger à la bergère du Bigot. Et sous le panier, il va finir ça tranquille avec la planche, William Staras. Vito Brown face à Paris Lee, la bonne proposition, la Meignandi, ça ressort, Terry Tarpey qui finit, la très belle action Mancel. Il ne peut pas finir Bamfors, mais c'est revenu dans les mains Mancel. Et la balle perdue, et l'interception de Scott Bamfors. Et Hugo Meignandi pour scorer pour le Mans. Et ça va d'un camp à l'autre là. Vito Brown face à Adasane. La bonne passe pour Naras qui finit. Et Paris Lee qui va attaquer le sac face à Terry Tarpey. C'est récupéré, le beau contre de Tarpey. Il a failli intercepter derrière. Mais le Manceau qui parvient à continuer son action et à servir Valentin Bigot. Oh, les dribbles de Valentin Bigot pour servir ensuite William Naras au dunk. Peuvent repartir. Le cross là de Paris Lee qui avait laissé la défense Mancel sans voix et sans réaction, mais derrière c'est Vito Brown qui punit l'OLB. Bigot Fischer et Vito Brown qui finit le boulot. Bigot Naras sous le cercle là, qui vient mettre ce panier. 800 spectateurs de la salle Antares qui encouragent. Un Bigot avec Naras une nouvelle fois sous le cercle. Bien trouvé Naras à l'intérieur avec la planche. Bamfors, Tarpey un peu à la manière d'un volleyeur. Claque ses balles et qui score pour le Mans. Valentin Bigot. Et le panier va être accordé avec la faute. C'est compliqué là ce que tentait Valentin Bigot. Heureusement il a bien trouvé son coéquipier Terry Tarpey avec la faute en plus.